Coucou les amis. Alors, voilà, j'étais en train de faire des herboniques parce que j'ai pas été chez mamie cet après-midi. Voilà, j'avais pas envie, j'ai froid et tout, donc voilà, j'avais pas envie. Et je n'arrête pas de recevoir des messages en disant oui, d'ailleurs j'ai ma veste de survêtement et tout, bon voilà, bref, j'arrête pas de recevoir des messages qui me disent. Oui, vous avez parlé de confinement, vous avez dit qu'il n'allait pas y avoir de rentrée. Les autres voyantes, ils disent que c'est pas vrai. Eux, ils voient une rentrée. Voilà. Bon. Alors, je me suis dit, bon, je vais faire un petit tirage, rien que pour moi, pour voir. Voilà. Ce que je vois. Hein? Bon. Et alors, j'ai tiré trois cartes du Béline. Voilà. Bah déjà, j'ai fait la coupe. Hein? Je vous dirai après. J'ai fait la coupe. Puis quand j'ai vu la coupe, j'ai dit, oh là 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 là. Bon, voilà. Et puis, je tirais trois cartes. Vous savez, on peut poser une question, trois cartes. Un, deux et trois en bas. J'ai tiré trois cartes. Puis quand j'ai encore vu ça, je n'ai pas compris. Donc, j'ai retiré trois cartes dessus. Bon, je vais vous mettre sur les cartes et puis je vais vous expliquer. D'accord? Donc là, c'est avec le Béline. D'accord? Donc voilà. Alors. Je vous baisse sur les cartes en espérant que vous allez tout voir, en espérant que ma caméra ne retombe pas. Bien sûr que si. Donc, attendez, je vais baisser les cartes peut-être. Voilà. Bon, je fume, mais j'ai le droit. Hein. Je vais tirer les cartes avant. D'accord? Donc, hop, hop. Et solo. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, je vais vous les montrer parce que. Voilà, je vais mettre ça devant ma caméra pour pas que ça tombe. Bon, ça tombe quand même. Alors, attendez, là, ça va aller. Voilà. Et voilà. Bon. Alors, les premières cartes que j'ai tirées, c'est là. Deuxième, c'est là. Troisième, c'est là. D'accord? Donc, je... Hop. Je vais retourner ce que j'ai recouvert. D'accord? Et comme ça, voilà, je vais vous montrer. Alors, normalement, le tirage, c'était que pour moi. D'accord? Mais là, d'après ce que j'ai vu, bon, je vais quand même vous le montrer. Donc, en premier, j'ai sorti l'eau. Donc, vous voyez, le bateau qui flotte, voilà. Donc, c'est voyage ou départ. C'est quelque chose de sensible, hein, c'est la sensibilité. Voilà. Et cette carte, elle dit aussi méfiance. Il faut garder les pieds sur terre. D'accord? Voilà. Et si on veut bien interpréter la carte, ça dit aussi qu'il faut se réveiller et agir. D'accord? Bon. Vous savez, quand on est dans l'eau, si on ne veut pas se noyer, il faut se ressaisir. D'accord? Donc, il faut se réveiller, puis il faut agir. Sinon, tu coules. Ok. En deuxième, j'ai eu la découverte. Je vous montre bien. Découverte. D'accord? Voilà. Donc là, la découverte, c'est... On va être éclairé sur une situation. On va découvrir un secret. On va apprendre quelque chose. D'accord? On va être éclairé sur une situation qui est floue et qui est même incompréhensible. Voilà, moi, comment j'interprète la carte. Alors, bien sûr, c'est mon interprétation de carte. Chacun interprète ses cartes comme il le veut. D'accord? Bon. Pour ceux qui vont dire, ben, c'est pas les cartes du Béline, ça aussi, c'est les cartes du Béline. Sauf que moi, vous savez, je vous ai déjà dit, j'aime pas les grandes cartes. Voilà. Bon, les oracles, j'ai pas le choix, c'est des grandes cartes. Je vous le fais pour vous faire plaisir. Donc, moi, le Béline, je l'avais, mais je l'ai donné à
une jeune fille qui voulait apprendre à tirer les cartes. Donc moi, je me suis fait mon jeu de cartes en petit. D'accord? Follow. Alors, on a la découverte. D'accord? On va apprendre quelque chose. Il faut se réveiller et on va apprendre quelque chose. Bon. Troisième carte. Voilà. Ça veut dire, regardez là. Trafic. D'accord? Donc, pour ceux qui connaissent le Béline. Alors, moi, le trafic, pour moi, ça me parle de commerce, de négociation. Ça peut parler aussi de transaction. Voilà. Mais ça peut parler aussi de changement. D'accord? Donc, la question que j'ai posée, c'est est-ce que les enfants vont reprendre l'école le 1er septembre. Donc, découverte, on va apprendre quelque chose, et le changement. D'accord? Bon. Sur la carte de l'eau, ok, j'ai tiré le présent. Voilà, le présent. Donc ça, le présent, c'est maintenant. Okay, le présent, c'est maintenant. Alors, cette carte, pour moi, elle nous conseille d'envisager certaines choses, d'accord? Ou d'accepter des négociations. Vous avez vu avec la carte du trafic, d'accord? D'accepter des négociations. Ce qui ne va pas plaire à tout le monde. On est bien d'accord. Voilà. Sur la découverte, j'ai tiré la paix. Voilà, la paix. D'accord? Donc, voilà. Moi, je dis qu'on va être éclairé. D'accord, sur une situation complètement débile, complètement qu'on n'y comprend plus rien. D'accord, voilà. Donc, on va être éclairé et comme on va trouver la paix, ben, on va être serein. D'accord, bon. Sur le trafic, voilà. Donc, les négociations, les transactions, les commerces, hein, tout ça sur le changement. Et ben voilà ce que j'ai sorti. J'ai sorti le quoi? Le cloître. Voilà. Donc, le quoître, c'est quoi? Ben, c'est l'isolation, hein, l'isolement, l'enfermement, la solitude. Vous voyez, la grille, elle est fermée. D'accord? La grille, elle est bien fermée, là. C'est pas porte ouverte. Hein? C'est pas le Club Med, c'est la grille, c'est la prison, c'est l'hôpital, c'est le cloître. D'accord? Faut faire un break. Voilà. Donc, faut faire un break parce qu'il faut vous enfermer parce qu'il y a trop de manifestations. Donc, tant pis si les gosses ne vont pas à l'école, mais il faut vous enfermer. Voilà. On est d'accord? Donc, la nouvelle qu'on va apprendre et qui va nous ramener la sérénité, et ben voilà. C'est l'isolement. Voilà ce que j'ai tiré. Ok? Donc, je ne peux pas mieux faire. Parce que là, si vous ne comprenez pas avec ces cartes-là, ben moi, j'y peux rien. Alors, voilà. Moi, je vois des choses, ok? Et d'autres voyantes voient d'autres choses. Bon, écoutez. Chacun voit dans ses cartes, chacun voit à ses ressentis, à ses intuitions, d'accord? Moi, avec des oracles comme j'ai fait, vous avez bien vu que je ne peux pas mentir, les mots sont marqués dessus. Donc, voilà, moi je vous donne ce que les cartes me disent, d'accord? Alors, si maintenant c'est toujours pour me comparer aux autres, et puis me dire que bah, les autres ils voyaient pas comme moi, j'ai dû me tromper et tout, bah ouais, peut-être je me suis trompée,
Mais encore une fois, je me tromperai. Donc, ça ferait beaucoup de tirages où je me tromperais, n'est-ce pas? Et ben, si c'est pour toujours me comparer aux autres, ben, je pense que je vais plus faire de tirage. Voilà. D'accord? Donc, bah oui, parce que, voilà, je vous dis, maintenant, il faut attendre. Hein. J'ai encore le cloître, d'accord? La découverte, la paix, le cloître. Sur le trafic, quand même, d'accord? Donc, après, si on veut prendre le mot trafic, vous voyez, ça veut dire beaucoup de choses, d'accord? Voilà. Donc, écoutez, moi, je pense que, voilà. Je ne peux pas faire mieux. Si j'avais su que j'aurais tiré ces cartes-là, j'aurais fait le tirage devant vous. Voilà, parce qu'on va encore dire que j'ai certainement choisi mes cartes. Mais non, je n'ai pas choisi mes cartes. Donc voilà. On peut toujours demander à mon oracle hein, de recouvrir chaque mot pour voir ce qu'il va nous dire. D'accord? Donc, est-ce que les enfants vont rentrer à l'école le 1er septembre? Et puis vous voyez, il va se passer quelque chose parce que pour pas que j'aille chez mamie l'aider aujourd'hui, c'est que voilà, hein, c'est que je ressens les choses. Alors, bien que ça dérange certaines personnes, ça ne me dérange pas, mais moi je sais ce que je ressens. Je vais vous baisser sur les cartes, voilà, et comme ça vous allez voir la coupe. Alors, il y a la surprise, vous voyez, ça continue encore, hein? D'accord? Donc, le cloître, hein, c'est la surprise, ok? Voilà. Et puis, pensée, réflexion, d'accord? Donc, ils sont bien en train d'y penser, d'accord? Ils sont en train de réfléchir, mais voilà, c'est la surprise, d'accord? Et regardez, c'est malheur, chagrin, mort et faim, d'accord? Je vous approche la carte. Pour bien que vous voyez, voilà, et voilà, c'est perte, cassure, séparation. Donc, et regardez, c'est sur la famille, d'accord? Bon, alors écoutez, moi franchement, je sais plus comment faire, hein. Je ne sais vraiment plus comment faire parce que voilà, je comprends pas que vous pouvez voilà, je sais pas je sais pas comment vous pouvez m'envoyer des messages comme ça alors que je tire les cartes devant vous et que voilà, étranger, amour, passion, les sentiments. Donc ça c'est sur la découverte et la paix, d'accord? Donc ça concerne bien nos enfants, ok? C'est, on porte de l'amour, on a des sentiments pour nos enfants, d'accord? Et voilà, regardez, on a le danger sur le trafic, le cloître, et ben là on a le danger, voilà. Donc il y a danger qu'on soit réenfermé, d'accord? Sur l'eau, le présent, on a l'étranger, voilà. Donc, peut-être des gens qui vont partir à l'étranger. Okay. Alors, est-ce que les enfants vont reprendre l'école le 1er septembre? Voilà, on a un remaniement, un changement, une transaction. On a la pensée, la réflexion sur l'amour, les sentiments. Donc même nous, on pense, d'accord, parce qu'on n'est pas tous d'accord de remettre nos enfants à l'école. Voilà. Et regardez, voilà. On a... ah ben merde, j'en ai sorti deux. J'avais déjà sorti regret, culpabilité, d'accord. On culpabilise si on met nos enfants à l'école, ok. Mais voilà, regardez là. On a la maison, le foyer. D'accord. Donc... il y a les erreurs, vous voyez, sur le remaniement, le changement, la transaction. Ben voilà, les erreurs. Est-ce que les enfants vont reprendre l'école le 1er septembre? Voilà, on a la lumière, l'éclaircissement. C'est exactement ce qu'on a vu dans le jeu de Béline.
Voilà. Donc, moi, je ne sais pas quoi vous dire. Hein, voilà. Je vais peut-être encore vous tirer une carte de vous à moi. Hein, voilà. Pour recouvrir. Mais on recouvre à chaque fois. On a les mêmes, vous avez bien vu, définitions, cartes. Hein, voilà. Alors, est-ce que les enfants vont reprendre l'école le 1er septembre? Voilà, ça tombe. On a le procès. On a les discussions. Voilà. Et on a l'éloignement. D'accord? Est-ce que les enfants vont reprendre l'école le 1er septembre? Voilà. On a le danger. On a le magnétisme sur la lumière, l'éclaircissement, les pensées, les réflexions, l'amour, les sentiments, d'accord? Donc, nous, on veut protéger nos enfants. On sait qu'il y a danger, voilà, sur le remaniement, le changement, la transaction, d'accord? Sur les erreurs aussi, voilà. On va peut-être pas refaire les mêmes erreurs. Et voilà, on a l'héritage. Donc, vous voyez, sur... le danger, regret, culpabilité, la maison, le foyer, ben on a l'argent. Voilà. Voilà, on a le danger et on a l'attente. Il faut attendre. Donc là, si vous ne comprenez pas que là, que ça va être porté, regardez, on a l'homme en noir. Voilà. Donc, sur le magnétisme, hein, peut-être que l'homme en noir, ben voilà, il veut attendre que le vaccin, il soit vraiment là pour remettre vos gosses à l'école pour pouvoir les vacciner. Voilà. Ah oui, je vais vous dire aussi la coupe que j'ai eue avec le... Et voilà. Là, pour nous, la maison, hein, le foyer, tout ça, d'accord, eh ben, ça va être notre chance pour sauver nos enfants. D'accord? Voilà. À la coupe, alors je l'ai marqué parce que j'avais peur d'oublier, regardez, encore un petit peu, j'allais oublier de vous le dire. Avec la coupe du Bélin, j'avais eu l'intelligence et Volperte. Alors, l'intelligence, pour moi, ben, c'est des solutions pour dénouer nos soucis, d'accord, la facilité à s'adapter. Et les connaissances, donc les découvertes, d'accord. Et Volperte, ben voilà, hein, c'est prudence, méfiance, abus de confiance, escroquerie, risque de perte ou de vol, d'accord. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, après, moi, si, voilà, si vous voulez me comparer aux autres, voilà quoi, hein, je sais pas. Hein, alors, est-ce que les enfants vont reprendre l'école le 1er septembre? Après, si j'ai faux, ben, vous me direz, voilà, t'as faux, quoi, tu vois. Mais arrêtez de me comparer aux autres. Hein. Voilà, c'est l'escalier. Alors, l'ascension, la promotion, la motivation. D'accord? Regardez. Voilà. Et on a les ciseaux. Utile, rupture, inspiration. Voilà. D'accord? Et on a le guide. Donc, c'est l'infection, la romance, le cadeau. Pour nous, ça va être un cadeau parce qu'au moins, on va savoir que nos enfants sont en sécurité. D'accord? Et puis, ben voilà. On a l'intuition, on a l'œil, on a la clairvoyance. D'accord, avec l'œil. Hein, ok, voilà. Alors, écoutez, bien sûr que je peux me tromper. J'ai pas la science infuse. Je vous ai jamais dit ça. Je vous ai jamais dit que j'étais la meilleure. Mais moi, pour l'instant, je vous prouve A plus B que les cartes me disent encore la même chose. D'accord. Bah, regardez, là, si vous ne comprenez pas, voilà, on a la Terre. Donc, c'est les obstacles, les retards et les épreuves. D'accord? Et puis, on a la plume. L'air, la liberté, le calme. Voilà. Donc, on va être au calme.
en sachant que nos enfants vont être à la maison puisqu'on va être confinés et que l'école est reportée. Voilà. Bon, je n'en tirerai pas plus parce que je pense que voilà, on va pas souper de la rentrée 36 fois par jour. Hein. Je comprends que vous ayez peur. Moi aussi, j'ai peur pour mes petits-enfants. Mais voilà, quoi, je ne vais pas faire 36 tirages la même semaine ou en deux jours pour essayer de vous sortir des cartes que les autres sortent. Voilà. Les autres sortent ce qu'ils veulent et moi je sors ce que mes cartes ils vous disent. Voilà. Ok ? Bon, alors, écoutez, pour moi, soyez rassurés. Voilà. Ok ? Moi, je vous dis qu'on va être confinés parce qu'il y a trop de manifestations prévues. Voilà. Et on ne peut pas être confiné, mettre les enfants à l'école, c'est pas possible. Alors, soyez un petit peu, s'il vous plaît, logique. Hein, voilà. Bon. Moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à plus tard.